Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, bienvenue aux abonnés qui sont là, bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont commencé il y a 4 jours et évidemment, je voulais te proposer une petite glace-vanille pour regarder la télé, les épreuves devant, avec une boule de glace-vanille rafraîchissante, la météo. Et c'est l'été complètement et puis là, petit combo, après tu rajoutes ce que tu veux avec, la glace vanille est une base, ça peut être aussi en aromatisant une épice, une glace que tu vas allier avec d'autres parfums, mais bien évidemment, c'est une glace, même si tu la manges seule dans un petit cornet, est excellente. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon mois de, qu'est-ce qu'on a encore là, juillet? Ouais, que tu passes un bon mois de juillet et que évidemment, même si tu travailles, tu profites un peu du soleil, ça te rend heureux, ça te rend gai, toute cette vitamine D qui arrive comme ça sur toi, comme une pluie de bonheur. Voilà, allez, je te laisse tout de suite maintenant avec la vidéo, avec tout le procédé et je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, la liste des ingrédients pour réaliser 1,5 litre de crème glacée vanille. Une fois la recette de la crème anglaise, 2 décilitres de crème 35%. Voilà, donc là j'ai fait ma crème anglaise qui est encore chaude. Je vais simplement rajouter ma crème froide dedans, comme ceci. Voilà, et là je vais tout simplement mélanger et je vais la laisser refroidir à température ambiante. Voilà, et quand ça sera bien froid, quand elle sera à température je dirais acceptable pour aller au réfrigérateur, je la mettrai au réfrigérateur pour la nuit et demain je la turbinerai avec la machine à glace, la machine à sorbet, bref, ce que vous avez chez vous. Hop, là je vais la filmer au contact pour éviter que ça fasse une petite croûte. C'est ce qu'on fait généralement avec pas mal de crème, avec pas mal de crème bavaroise, des mousses ou autres, pour qu'il n'y ait pas cette petite pellicule sèche qui se forme par-dessus. Voilà, donc là je vais la laisser tranquillement refroidir et je m'en occuperai en fin de soirée avant d'aller me coucher. Je la mettrai au réfrigérateur, qu'elle soit bien froide pour demain et que demain elle puisse se congeler dans la machine. Voilà, donc là j'ai préparé ma petite sorbetière. Là j'ai sorti la crème anglaise, voilà, vanille avec la crème dedans. Ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre l'accessoire qui va avec, hop, et comme indiqué sur la machine, je vais verser tranquillement comme ceci. Et laisser tranquillement ma préparation à glace devenir glace. Voilà, donc la glace elle a turbiné. Donc ça c'est un petit appareil de supermarché qui est bien utile quand tu fais des petites quantités et quand tu as envie de faire plaisir chez toi, quand tu as envie de faire des petites glaces maison, c'est toujours bien utile. Donc là je vais simplement mettre la glace maintenant dans un bac et la mettre au congélateur.
Et comme ça, eh bien, dès demain, ou même tout à l'heure, hein, dans 20 minutes, elle sera prête. Elle sera, ouais, tout simplement prête. Tu pourras faire des boules, tu pourras, eh bien, tout simplement te régaler chez toi, faire des desserts pour tes enfants, tes voisins, des soirées, des... Voilà. Et faire déguster à tes amis, à ta famille, eh bien, tes confections maison. Voilà. Comme ceci. Et ça, eh bien, je vais mettre au congélateur. Et voilà, comme je t'ai dit, dans 20 minutes, tu peux déjà, eh bien, faire des boules. Tu peux déjà, eh bien, tout simplement, la déguster chez toi, entre amis, en famille, et tout simplement être fier de ce que tu fais. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, certes courte, mais au moins tu as tous les points stratégiques pour faire la glace vanille et tu as vraiment tout ce qu'il faut pour la réaliser chez toi. Voilà, écoute, moi je te retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et évidemment, eh bien, prends soin de toi, mange de la glace vanille, fais de la glace vanille, déguste de la glace vanille et partage de la glace vanille. Bonne semaine et profite du soleil. Ciao.